regardez. Ah bah je vois, ouais, ouais. Vous êtes filmé, vous êtes filmé. Ah ouais, en Merci. Merci. Merci bien. C'est gentil. Oh mais on le ramassera. Wow. Je suis 34. Ah, bravo Xavier. Tu as une bonne fille là. Ok, allez bien. Vous le golf, c'est mieux. C'est ça, ça va. Ça manque hier, ça a été. Ouais. Ça va et toi? Qu'est-ce que t'as fait à ta voiture, Victor? Elle a un problème, on dirait. Il manque les roues. C'est bien, ouais. Je vais te dire ça. Est-ce qu'il y en a des trois qui a fait le cross pour la première fois cette année? Est-ce que c'est la première fois que tu cours en auréole? Non? Tom non plus? Pas non plus? Et vous avez l'habitude, est-ce que vous avez trouvé plus difficile que d'habitude? Non. Qu'est-ce que tu me racontes, Tom? Tu dis quelque chose? Il y a plein de monde qui te regarde, c'est bon, non? Qu'est-ce que tu me dis? Tu vas revenir l'année prochaine pour essayer de conserver ton titre. Tu seras toujours dans la même catégorie, 4-8 ans ou tu... Voilà, vous voulez rester? On attend si vous voulez. 2, 3, tu sais plus. Est-ce que tu avais déjà fait un podium? Est-ce que tu avais déjà fait un podium? Est-ce que tu avais déjà fait dans les 3 premières? Oui. Bravo. Et toi, c'est la première fois que tu le fais? Non. Non, mais si elle a le podium, tu fais la route. Ah oui, c'est pour ça, j'ai préparé. Ah, tu avais gagné quand ça? Toi. L'année dernière, eh ben, tu vois, t'étais un petit peu battu de quelques secondes. Bravo, est-ce que c'est la première année que tu le fais, toi? Non. Je l'ai fait trois fois. Oui. Donc, on retrouve souvent les mêmes sur le podium. Hein. Bravo à vous, Jérémy, pour les lots. Bon, ben, j'ai regardé Athènes, et hop, c'est un peu... Quand on regarde en haut, ça fait un haut, par exemple.
Bravo Albert, tu fais la photo. Et pour le pour la première, le lot. Ok, ouais. Arthur, tu vas me dire un petit mot. Je te donne le micro, puis tu dis un peu ce que tu as envie. C'est la dernière participation. Moi, je vois, je après, je suis en train de faire un peu de la vie. Moi, j'arrive à faire un peu. Voilà. Et est-ce que tu penses faire celui des grands l'année prochaine? Oui. Tu vas t'entraîner alors? Tu peux commencer? Oui, c'est voilà. Après, j'ai. Et toi, c'est la première année que tu participes? Non, toi, c'était. Non. Est-ce que tu avais déjà fait un podium? Oui. Tout seul, moi. C'était juste derrière moi, il y a peut-être. Deuxième et premier, tu as fait la tuyau aussi du podium. Et toi, c'est la première année ou pas? Ouais. Alors moi, je ne me reconnais pas. Et tu as été combien l'année dernière? Septième. Bon progrès, bravo à toi. On va vous remettre les lots. Bravo les garçons. Alors, pour le cinquième scratch, le coupe crédit agricole et lame frontale XP. Et tu as couru en 41 minutes 20 secondes. Et Hugo, le même lot. Voilà, je vous demande de rester pour la photo avec les trois autres, hein, ensuite. Donc, troisième au scratch, Romain Juge. Bravo. Et le temps est de 40 minutes 25 secondes. Le deuxième scratch, Thibaut Humbert. Thibaut. 39 minutes 15. Et un habitué de la première marche, puisque c'est la troisième année qui gagne le cross chez nous, Ossine Boutria, qui vient accompagner cette année. Bravo à toi, Ossine. Alors, je suppose que tu as eu ton temps. Tu n'as pas battu ton record, ton record il a 3 ans maintenant, qui est de 36-30. Et aujourd'hui, tu as couru en un petit peu plus de 37, 37-04, je crois, mais félicitations à toi. Voilà. Est-ce que quelqu'un participe pour la première fois au Cross d'Auriol? Non. Jean-Claude qui vient d'arriver. Tu peux t'avancer un peu, Jean-Claude, si tu veux. Pour Thibaut, une entrée au Grotte de Chauranche, se tenir au frais par cette période, c'est sympa. Un 5 XP et une coupe Groupama. Et aussi une entrée à Chauranche également. Un bon pour les radioles de Saint-Jean. Des bâtons de marche XP et une coupe Crédit Agricole Centre-Est. Voilà Albert, je te laisse faire les photos de nos jolis vainqueurs. Bravo à vous et puis on espère tous vous revoir l'année prochaine. Deuxième, Laura Rioux. Et sur la plus haute marche, Amélie Fort, qu'on applaudit très fort. Bravo. Oh non, ben je vais poser mes petites questions à Mickaël. Est-ce que c'est la première fois? Qui c'est qui fait pour la première fois? Alors, pour Héloïse, une coupe départementale Drôme et une ceinture groupe XP. Troisième. Voilà. Pour la deuxième, une coupe départementale Drôme, ceinture Groupe XP et une entrée au frais à Chauranche. Ah bah tiens, c'est quoi de Chauranche. Et pour Amélie Faure, un bouquet Fakien, une coupe départementale de département Drôme, pardon, la ceinture Groupe XP et des bons ravioles. Des bonnes ravioles du Royaume. Voilà, c'est sympa. Merci à vous et en espérant vous retrouver l'année prochaine. Bonne continuation. Ils sont venus nombreux aujourd'hui, merci de représenter Auriol, c'est sympa. Tu vas dire un petit mot sur le parcours Alors visiblement il y avait une nouvelle passerelle cette année. Voilà, donc oui voilà c'est ça, je suis passée un petit peu trop vite et j'ai peur.
Alors, on va te remettre de l'eau, puis si tu peux rester pour la photo pour tes collègues. Allô Rondin, une bombe XP, une coupe et un bouquet Paguien. Merci Christian. Première V2, Jackie. Simple. Bravo Jackie. Bravo. Bien. Elle est arrivée quatrième. Elle est arrivée quatrième et première V2. Tous les organisateurs de près comme de loin. Bravo, bravo. Merci Jackie. Et ton frère, il a fait combien? Il a fait 40 minutes. Ben, viens dire un mot, s'il te plaît. Michel, viens dire un mot. Geneviève Auxerre. Toutes mes excuses. Désolé. Un petit mot, s'il vous plaît. Je suis arrivée avec la suite. Eh bien, un parcours super, ouais, un accueil chaleureux. Tout est parfait. Voilà. Merci. Un bouquet paquet, une coupe, ça crédit agricole à Laurentin et un bon pour les ravioles. Donc tu veux dire un petit mot, je crois. Eh ben. Encore merci aux organisateurs parce que c'est bien fait. C'est vrai qu'on n'hésite pas au niveau du balisage, donc ça c'est vraiment bien et ça fait chaud au cœur de voir qu'une course populaire n'a rien à envier à de gros événements. Il y a quand même du niveau parce que devant ça court vite et c'est un bon moment. Je reviendrai. C'est la première année que je viens. Ça fait 2-3 ans que je me disais faut y aller. Et puis bon, cette année ça s'y est prêté, donc bien content d'être venu. Et là, tu as fait une grave erreur parce que tu vas revenir chaque année maintenant. Tous ceux qui viennent, tu n'aurais jamais dû. Merci à toi, bravo, tu restes pour la photo de tout le monde après. Premier V1, Yves Maneval. Bravo. Un habitué. Une participation. Et c'est ma 14e fois, justement. Ah. Alors, j'ai fait deuxième, troisième scratch. Plusieurs podiums au scratch. D'accord, donc toujours la grande forme, c'est bien, bravo. Un bon raviol, un t-shirt XP, une coupe. Premier homme, V3, Patrick Gilly. Patrick Gilly. Bravo. Ah d'accord. Eric Delay, un premier V2. Eric. Premier V2. Alors, je crois qu'il y a ton collègue qui veut faire une petite remarque sur certaines performances, je crois. Je te repasse le micro brièvement. Oui, sur le plan sportif, je voulais dire que le premier V2 est devant le premier V1. Donc, fabuleux. Fabuleux Eric Delay qui avait gagné 5-6 fois ici au scratch. Bravo. Je vais dire un petit mot, répondre à ton collègue. Ben, merci, on s'est bien battu aujourd'hui. Ben, c'est toujours un plaisir de venir ici. Je viens depuis pratiquement les premières années. Toujours l'ambiance festive, l'ambiance village, surtout revoir les copains, revoir Jean-Paul Chex notamment, certains comprendront. Voilà, merci à tout le monde et merci à tous les bénévoles. Ouais. Premier des quatre, Mariano Del Moral. Ah bon. Je compte sur toi pour un grand discours, Louise. Alors tu montes la plus haute marche et... Voilà, et t'as une chance inouïe, c'est Jean-Claude qui vient te faire la remise des prix. Voilà, tu nous dis un petit mot sur le cross. Et si tu peux te tourner, Louise, qu'on admire ton t-shirt quand même. Vous disiez tout à l'heure, moi qui aime bien les jeux de mots, je trouve ça sympathique, les fous de Royan. Donc ils sont plusieurs, vous avez pu les voir, ils sont là encore, à avoir couru, et ils s'entraînent beaucoup pour augmenter leur performance. Ils sont partis très bas, donc ils arrivent à monter, mais je ne fais pas mieux, donc c'est pas une critique. Et merci en tout cas à vous de venir, parce que vous mettez toujours l'ambiance aussi, comme tous les gens qui sont là, mais merci à vous, c'est un plaisir de vous voir également.
et passez une bonne journée derrière. C'est important aussi. Voilà, je te passe un peu le micro, Louise. C'est un immense plaisir pour moi de participer à cette course avec toute cette équipe des foudroyants. C'est un jour important, donc ça fait vraiment plaisir d'être ici. Et jour très important, et on sera là l'année prochaine. Merci beaucoup.